Hey les gars, salut à tous, c'est Flobscur pour une nouvelle vidéo. Alors les gars, aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu au titre de la vidéo, j'ai reçu un colis, donc je vais vous le faire montrer, voilà. Donc comme au titre de la vidéo, bah c'est un katana, donc c'est mon premier pack opening. Voilà. Bah du coup, pour cet événement, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et aussi bonne rentrée, parce qu'aujourd'hui c'est la rentrée. Donc, bah, on revient dès que j'aurai terminé de débarrasser le carton. Et les gens, c'est bon, on se retrouve après avoir déballé le carton. Et le katana est magnifique. Alors, je vous le montre vite fait. La katana Zenitsu. Vraiment magnifique. Avec les petits rubans derrière, là. Les petites marques ici, là. Je sais pas si vous voyez. Je vais passer vite fait. Voilà, on va le dégainer pour voir. Wow. Donc pour ceux qui se demandent, mon katana est en acier. Donc il m'a coûté à peu près 70 euros, un truc comme ça. Voilà, pas de faire tomber le boîtier, c'est bon. Attendez. Oh là là, on va le mettre ici. C'est bon. Donc je vous remonte la lame. Faut faire gaffe aussi parce que le bout est assez, il est pointu. Voilà. La lame n'est pas vraiment tranchante. Là. Elle n'est pas vraiment tranchante. Elle est assez arrondie. Donc vous ne pourrez, je pense pas que vous pourrez trancher quelque chose avec. À part peut-être si vous tapez vraiment très très fort. Mais faut vraiment un putain de gros coup. Voilà, je vous remonte. Voilà. Je sais pas si la katana Zenitsu est tenue. Je crois que attendez. Je le remets. J'adore le bruit quand je le remets. Écoutez. Attendez, comment ça décore ça? Après tout avec le pouce. Alors, franchement, il est vraiment très classe. Très 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 stylé. Donc c'est un objet de décor. Mais pas que aussi, hein. Vu qu'il n'est pas, il est pas très dangereux, vous pouvez aussi jouer avec, vous amuser un peu. Ça peut aussi servir pour les carnavals, trucs comme ça. Mais je pense pas que... Ouais, si, en vrai. Voilà. Donc, je sais pas, peut-être que par la suite, j'essaierai d'acheter un cosplay de Zenitsu pour avoir le cosplay total avec le katana. Ça serait pas mal. Eh, mais franchement, cette lame-là, je l'adore. Avec les marques là, le foudre, j'adore. Voilà, donc je vous remonte une dernière fois. Petit ruban. Ah oui, donc le d'orange, là, je sais plus comment ça s'appelle, le support, je sais plus. Il est en bois. Le manche aussi, la ficelle, donc il faut montrer vite fait. Sinon, le reste, il est en acier. Voilà. Après, vous avez demandé où est-ce que je l'ai acheté. Bah, je l'ai commandé sur Mangadori, mais c'est pas, vous n'êtes pas obligé après. Hein. Après, si vous allez juste pour faire simple, vous allez sur Google, vous mettez Katana Zenitsu. Après, vous mettez soit en plastique ou en acier et vous comparez les prix et vous cherchez un katana qui vous plaît. Pour ma part, je l'ai payé 70 euros. Voilà. Le ranger. Voilà. Donc les gars, c'est la fin de ce unboxing. Alors j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un abonnement et on se dit à la prochaine.